Voilà. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilaye Camara, depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, voilà. Donc, depuis Bruxelles, bien sûr, les informations, l'analyse politique sur la Guinée, chers compatriotes guinéens, à propos, bien sûr, de Alpha Condé, cet homme qui confisque, voilà, le pouvoir guinéen. N'est-ce pas? Il confisque le pouvoir guinéen, il s'impose par la force. La force des armes, chers compatriotes guinéens. Alors voilà, donc nous sommes bien sûr mercredi 7 avril 2021. Mon thème d'information, c'est sur Kassori Fofana. Alors si vous l'avez remarqué, j'interviens généralement souvent, même à 4 ou 5 heures du matin, je peux intervenir. C'est quand il est surtout question, en fait, des comportements irrationnels, des discours irrationnels, comme discours comme celui que nous avons, en fait, entendu aujourd'hui de la part de Kassori Fofana. Voilà, mon thème d'information, donc, c'est sur le Kassori Fofana. Il a fait un discours, une présentation, c'était pour présenter la politique générale du gouvernement. En fait, il était face, donc, aux députés. Discours aux politiques générales du gouvernement, c'est en rapport avec la casse, donc, des bâtiments, donc, en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays. N'est-ce pas? Alors, là, c'était face aux députés guinéens. Très bien. Alors, nous partons du principe. Bon, écoutez, je suis en train de faire une analyse politique, n'est-ce pas? Alors, disons les choses telles qu'elles sont. Sinon, nous savons tous qu'actuellement, nous ne reconnaissons pas, en fait, une assemblée nationale en Guinée, ni gouvernement, ni ministre, ni président. Non, il n'y en a pas, chers compatriotes guinéens. On a des voyous au pouvoir, des députés qui ne comprennent absolument rien. Donc, ils ne sont même pas des députés, chers compatriotes guinéens. Ils ne représentent pas la Guinée. Très bien, mais comme je le dis, nous partons du principe que, bon, écoutez, je suis en train de faire une analyse politique, alors pour informer, parce que nous nous intervenons, quand j'interviens, et tant d'autres citoyens guinéens qui interviennent, des blogueurs et tant d'autres, à travers la presse écrite également, c'est pour effectivement informer les Guinéens. Parce que Alpha Condé et ses hommes, c'est pour nous désinformer. Voilà, donc quand j'interviens maintenant, c'est pour informer réellement les Guinéens. Donc mon thème d'information sur Kassori Fofana, sur son discours, et dans ce discours-là, je prends deux discours, en fait, deux citations, deux éléments. Dans ce discours, il dit, en fait, que à propos de la casse des bâtiments, des maisons à Conakry, enfin, Kassori dit, nous ne savons pas d'où est venu l'ordre de casser des bâtiments à Conakry. Je cite, hein, c'est Kassori qui dit, nous ne savons pas d'où est venu l'ordre de casser les maisons à Conakry. Donc les mesures de déguerpissement, les opérations de déguerpissement. Alors Kassori dit, bon écoutez, en fait, de toute façon, le pouvoir ne sait pas d'où vient l'ordre. Voilà. Donc j'essaierai d'être clair ou d'essayer d'analyser sur ce point-là, n'est-ce pas? Et autre point, dans le discours de Kassori Fofana, c'est une autre citation où Kassori dit, nous ne devons pas nous laisser tromper par les discours démagogiques et les promesses, en fait, les fausses promesses. Fin de citation. C'est Kassori qui le dit. Dans le même discours, vous voyez ce qu'on dit. Alors moi, je prends ces deux discours, ces deux citations, franchement graves, d'abord irrationnelles. Je vais expliquer alors tout à l'heure pourquoi ces deux, en fait, éléments du discours de Kassori Fofana sont irrationnels. Chers compatriotes guinéens. Voilà, très bien. Alors, je vais lire le discours de Kassori Fofana très rapidement. Et puis, je fais mon analyse là-dessus, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'est-ce que dit Kassori Fofana? Voilà, quand il présentait sa politique générale, la politique générale du gouvernement, par rapport, en fait, à la casse des bâtiments à Conakry. Alors, Kassori dit, quand le président de la République, Alpha Condé, n'est-ce pas, a appris qu'il y a des casses, en fait, des maisons à Dobrika, suivez, chers compatriotes guinéens, il dit, je reprends, je cite, c'est Kassori qui parle. Quand le président de la République, Alpha Condé, a appris qu'il y a des casses, des maisons à Dobrika, il m'a interpellé que si cela est vrai, il va démettre le préfet de ses fonctions. J'ai convoqué, Kassori qui va convoquer, j'ai convoqué le préfet de Dobrika avec ses services. Il m'a dit, le préfet, il m'a dit qu'il n'était au courant de rien et que l'instruction est venue de Conakry. Le président Alpha Condé était dans tous ses états, donc en colère. Il a dit qu'il n'a pas donné l'ordre de détruire les maisons et qu'il n'était même pas au courant. Quand nous avons rencontré le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avec
le président de la République et moi-même, nous nous sommes rendus compte que l'ordre qu'il a donné était de récupérer les domaines de l'État. L'équipe est en train d'être constituée et elle n'a pas encore commencé à travailler. C'est Kassori qui, en fait, parle. Il est facilité guinéen. Alors, lors de casser, je continue, lors de casser les maisons, personne ne sait d'où vient l'ordre ou d'où est venu l'ordre. C'est la vérité, c'est Kassori qui dit. Le président de la République a décidé que tous ceux qui ont des titres fonciers, dont les maisons sont cassées, qu'ils se présentent, ils seront dédommagés. C'est une décision du président de la République et je suis appelé à y veiller. C'est Kassori qui parle, cher compatriote guinéen. J'ai demandé au ministre de la Ville et de l'Aménagement des Territoires de s'organiser pour prendre note de ces maisons irrégulièrement en fait cassées. L'instruction du président Alpha Condé, c'est juste les emprises des routes, une mesure sur laquelle nous sommes tous d'accord. Aller casser les maisons des citoyens dans les quartiers, nous ne savons pas d'où ça vient, ou d'où vient, en fait, nous ne savons pas d'où ça vient, mais la lumière sera faite sous l'instruction du président de la République et les sanctions, en fait, seront prises contre ceux qui se sont permis de se livrer à ces actions. Fin de citation. Kassori Fofana qui parlait ce matin, ce mercredi 7 avril, en fait, il était donc devant les députés, chers compatriotes guinéens. Alors, je ne sais pas, vous l'avez compris, chers compatriotes guinéens, je vais de toute façon faire l'analyse là-dessus. Et c'est cette partie de son discours, cette citation, où il dit que nous ne savons pas, en fait, à propos de la casse des maisons, en fait, le gouvernement ne sait pas d'où vient l'ordre, qui a donné l'ordre, n'est-ce pas? Alors, l'autre partie, je parlais de ça aussi, quand Kassori dit, nous ne devons pas nous laisser, en fait, tromper par les discours démagogiques et des fausses promesses, chers compatriotes guinéens. Alors, mon analyse sur cette première partie du discours de Kassori Fofana. Alors, si vous remarquez très bien, on peut facilement se dire qu'en Guinée, ça ne gouverne pas. Il n'y a pas un gouvernement, chers compatriotes guinéens. Il n'y a pas un gouvernement. Mais c'est très grave. Non seulement c'est grave, c'est ridicule, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas surprenant. J'ai toujours dit que la pensée ne vient pas de moi. On dit gouverner, c'est prévoir. Quand vous gouvernez, vous ne prévenez pas, n'est-ce pas? Et vous n'allez jamais gouverner. Et c'est ce qui se passe actuellement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment? Avec les mesures de déguerpissement. D'abord, il y a contradiction dans le discours de Kassori quand il dit, par exemple, que, en fait, le président Alpha Condé a donné l'ordre de récupérer les domaines de l'État. N'est-ce pas? Dans le même discours, Kassori Fofana dit l'instruction du président, c'est seulement de dégager les emprises des routes. Donc au bord des routes, il y a des taulis, il y a pas mal de choses qui dérangent, alors qu'il faut les dégager. Et ça, c'est l'instruction qui a été donnée par Alpha Condé. Mais d'un côté, vous l'avez dit, il dit que oui, l'ordre donné par le président, c'est de récupérer les domaines de l'État, chers compatriotes guinéens. Voilà. Alors, ce que je ne peux pas comprendre. Alors, ni le président se fait étonner, il n'était pas au courant, car le Premier ministre n'était pas au courant, le ministre de l'Aménagement du territoire n'était pas au courant, à Dobrika, le préfet dit, moi, je n'étais pas au courant, l'ordre est venu de Conakry. À Conakry, personne n'est au courant. Personne ne sait d'où vient l'ordre de casser les maisons. N'est-ce pas? C'est incroyable parce que si c'était par exemple un cas de vol, à la trésorerie, disons nationale, n'est-ce pas? Un cas de vol, on peut se dire, parce que ce n'est pas ostensible, ce n'est pas public, on ne voit pas, on peut se dire, bon écoutez, on ne sait pas d'où ça vient, n'est-ce pas? C'est difficile, il faut des semaines pour savoir effectivement. Il y a eu vol d'abord, et combien, à propos de l'argent, combien d'argent, par exemple, a été volé, qui a volé, n'est-ce pas?
Mais écoutez, les opérations de déguerpissement, c'est en plein air, ostensiblement, publiquement, tout le monde voit. Même si le président n'est pas au courant, ou le casseur n'est pas au courant, un ministre n'est pas au courant, le ministre de l'aménagement de l'OTAN n'est pas au courant. Mais les opérations se passent devant tout le monde. On casse les maisons. On casse, tout le monde voit. Si vous n'avez pas l'ordre, si vous n'avez pas donné l'ordre, ce même jour-là, les opérations s'arrêtent. Si vous n'avez pas donné l'ordre, Kassori Fofana, si Kassori Fofana, qui a vu passer, c'est, tout le monde l'a vu, la presse en a tellement parlé, la télévision s'est sortie également, n'est-ce pas, partout, avec les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu, on casse les maisons avec les machines, les bulldozers, chers compatriotes. Alors vous êtes ministre chargé de telle situation, vous voyez les maisons qui sont en train d'être cassées par les bulldozers. Alors vous vous demandez, mais qui a donné l'ordre? N'est-ce pas, tout de suite, qui a donné l'ordre pour des gens qui veulent gouverner? Qui a donné l'ordre? Vous ne le savez pas. Alors, mais c'est quand même bizarre. Alors, on arrête les opérations. On arrête les opérations. N'est-ce pas? Vous n'avez pas donné l'ordre? D'accord. De toute façon, on ne sait pas qui a donné l'ordre, donc on arrête les opérations. Ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas donné l'ordre, mais les opérations ont continué. Sur le comportement guinéen, les bulldozers continuent à casser les maisons. D'abord, ce qui est faux, je crois que, là, vous le savez, ça c'est très élémentaire, c'est tout à fait faux, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Parce que pendant que les maisons sont cassées, les bulldozers font leur travail, on a entendu Alpha Condé tenir des discours. Nous casserons tout, tout sera dégagé, tout. Hein? Tout. Tous les propriétaires de ces maisons qui n'ont pas de titre foncier, écoutez, toutes ces maisons seront détruites. Ça a été dit pendant que les opérations continuent. Et maintenant qu'on dise maintenant que c'est le président s'étonne, n'est-ce pas, qui s'étonne, que l'ordre là, il ne l'a pas donné. Mais Kassori dit clairement que l'ordre donné était en fait de récupérer les domaines de l'État. Les domaines de l'État, cher compatriote guinéen. Ah mais c'est cela, c'est l'ordre qui a été donné. Et voilà, les maisons, les bulldozers sont en train de travailler et casser tout. Parce qu'on suppose que là, ces maisons qui sont cassées, ces lieux-là, ce sont les domaines de l'État. Et ça, on est en train d'exécuter l'ordre du président Alpha Condé. N'est-ce pas? Ce qui a été dit. Très bien. Alors, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, vous voyez. On n'a pas besoin de faire beaucoup de discours là-dessus. C'est incroyable. Ce qui reste clair, on n'a pas de gouvernement en Guinée. Ça nous étonne, on l'a toujours dit, que ces gens-là ne sont pas venus pour gouverner. N'est-ce pas? Gouverner, c'est prévoir, cher compatriote guinéen. Très bien. Mais voilà. La leçon qu'il faut tirer ici, cher compatriote guinéen, le problème n'est pas que l'ordre, ils ne savent pas d'où vient l'ordre, ils le savent très bien, c'est Alpha Condé qui a donné l'ordre, ça c'est très clair, ils le savent tous, mais le problème c'est que, tout revient à cette situation, gouverner c'est prévoir, n'est-ce pas? Ils se sont rendus compte, après des critiques, nous avons critiqué, tout le monde a critiqué, n'est-ce pas, que la manière n'était pas bonne, qu'il est bien de rendre Conakry propre, n'est-ce pas, de dégager les emprises des routes, c'est bien, n'est-ce pas, mais il faut suivre le bon sens, il faut suivre les règlements, les lois, n'est-ce pas? D'abord, il faut prévoir. Nous avons, voilà, des maisons qui, parce que le gouvernement doit récupérer les domaines de l'État, alors les personnes ou les maisons qui occupent ces lieux-là, il faut d'abord, disons, de manière civilisée, informer ces citoyens, qui sont des citoyens, qui ont des droits et des devoirs. Vous les informez, n'est-ce pas? Vous les informez, vous vérifiez effectivement comment ces gens-là sont venus récupérer ces terrains. Ils ne peuvent pas venir comme ça, de façon anarchique, construire des villas comme ça, n'est-ce pas? Alors vérifiez et tout. Une fois que cela est fait, parce qu'obligatoirement il faut dégager ces lieux, également, et on prévoit des mesures pour dédommager ces citoyens et donner des délais raisonnables. Pas aujourd'hui vous décidez, vous dites dans 2 semaines vous quittez, nous venons pour casser. Non, des délais raisonnables, ça peut être même 5 ans, 6 ans ou 10 ans. C'est cela. Alors, Alpha Condé, ces hommes, ils se sont rendus compte de l'erreur. Ils ont commis l'erreur, chers compatriotes guinéens, la faute même. Alors, c'est une manière finalement de... Parce qu'ils sont incapables de dire devant les citoyens guinéens, la population guinéenne, écoutez, nous nous sommes trompés, pardonnez-nous, excusez-nous, nous nous sommes trompés, voilà, ils sont incapables de le dire, maintenant ils passent
par des mensonges. Et c'est ce que Kassori tente maintenant de faire, cher compatriote guinéen. Des mensonges pour dire qu'Alpha Condé n'était pas au courant. Une façon pour Kassori Fofana, qui vient d'être humilié par Alpha Condé, et Alpha Condé à son tour humilié par Kassori Fofana, bien sûr. Alors, voilà, la mission est là. Alpha Condé est à la situation. Comment allons-nous faire? Parce que nous avons commis l'erreur. Et Kassori peut lever la main volontairement. Moi, je peux vous sauver, monsieur le président. Et voilà, la tentative, c'est ça. Ils ont échoué, ils ont commis la faute, n'est-ce pas? C'était de la barbarie de venir casser les maisons sans informer les gens, sans donner des délais raisonnables, absolument rien. Hein? Parce que tout simplement, après leur tricherie pendant les élections présidentielles, avec leur fameux troisième mandat, n'est-ce pas, des tueries, pour masquer tout cela, détourner l'attention, s'il faut dire, sur autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Alpha Condé s'est lancé de façon passionnée, n'est-ce pas, façon rancunière, en cassant les maisons et de façon très ciblée, je comprends. Voilà, c'était cela sur ce point de Kassori Fofana. On en parlera durant toutes ces semaines, je comprends. Alors, l'autre point de Kassori Fofana, parce que dans son discours, il a dit également que, écoutez, que nous ne devons pas, en fait, nous ne devons pas nous laisser tromper par les discours démagogiques, et aussi par des fausses promesses comptoguinéennes. Alors là, il arrive devant les députés, et là, alors, dans le contexte selon Kassori, mais écoutez, nous sommes dans une situation économique internationale chaotique, il dit que le problème économique, c'est partout actuellement, hein, partout, ça souffre avec Covid-19. Donc, le coupable ici, c'est Covid, c'est comptoguinéen, si ça ne va pas en Guinée, c'est Covid, et pas seulement la Guinée, parce qu'il s'est dit, sur le plan international, partout, tous les pays souffrent. N'est-ce pas? Très bien. Et là, Kassori dit, mais écoutez, dans ce cas-là, dans cette situation, n'écoutez pas ceux-là qui viendront avec des discours démagogiques ou des fausses promesses. Parce que ce n'est pas vrai, ce sera irréalisable, parce que la situation économique, financière, internationale, maintenant, c'est partout. C'est impossible. Qui vous promet de construire des aéroports internationaux dans les 4 régions naturelles de la Guinée? C'est des mensonges, c'est comme tout le monde. C'est ce que Kassori veut me dire. Alors, mais moi, je vois dans ça, Kassori Fofana, alors, je me dis, alors, il dit, n'écoutez pas alors tous ceux qui viendront pour vous dire des discours ou vous déclarer des discours démagogiques et des fausses promesses. Mais en Guinée, s'il vous plaît, quels sont les politiciens qui tiennent des discours démagogiques, hein, avec des promesses pompeuses, promesses pompeuses? Qui? Quels sont les politiciens qui tiennent ces discours-là? Ce n'est pas la mouvance? Ce n'est pas Alpha Condé et ses ministres, ce n'est pas Kassori et tant d'autres. Alors quand Kassori le dit, c'est pourquoi je dis que Kassori, il se tire une balle dans le pied. N'est-ce pas? Il se fait humilier. C'est lui qui tient des discours. C'est Alpha Condé. Alpha Condé tout récemment dit à Fria. Fria sera la capitale du riz. Fria va ravitailler Conakry en riz. Maintenant il a dit, ce n'est pas un discours démagogique, de fausses promesses. Merci Kassori. Et aussi, Kassori Fofana. Qu'avait dit Kassori Fofana? Deux grandes universités à Bokké, deux grandes universités de référence, où les étudiants quitteraient les pays environnants, vous comprenez, pour venir étudier à Bokké. Qui a tenu ce discours démagogique? C'est pas Kassori Fofana? Qu'en 5 ans, c'est pas en 5 ans, la Guinée dépasserait la Côte d'Ivoire. Qui a tenu ce discours démagogique? C'est pas Kassori? Qui a dit que la Guinée, bientôt, sera la deuxième puissance économique, disons, en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. C'est pas Alpha Condé? Des discours démagogiques. Voilà, je crois que Kassori est très clair. Il dit, ne nous laissons pas tromper par des discours démagogiques et les fausses promesses. Donc, ne nous laissons pas tromper par Alpha Condé et ses ministres et même Kassori. Voilà, c'est ce que Kassori Fofana vient nous dire. Très clairement, chers compatriotes guinéens. Alors, pour terminer, chers compatriotes guinéens, ça, c'est, il ne faut pas aller loin par 1000 chemins. Alpha Condé est incapable, on l'a trop dit. Mais comme j'ai toujours dit aussi, après les élections présidentielles, qu'Alpha Condé s'est imposé par les armes, non? J'ai dit, mais écoutez, c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant le vrai combat commence. Et là, voilà, chers compatriotes guinéens. C'est fini. Alpha Condé, c'est dans l'impasse. Il ne se retrouve plus jamais. C'est fini. Vous avez vu ce qui se passe entre Kassori et Alpha Condé? Là, d'ailleurs, je n'en parle même pas. Hein, c'est le sort rare en Guinée. Alpha Condé, qui se dit prendre la repli, qui se déplace d'aller parce que le Premier ministre n'est pas content, qui est casé dans sa maison. Alpha Condé va le voir. C'est compatriote guinéen. Voilà.
Donc, c'est foutu, je vous dis bien, c'est foutu. Continuons le combat, comme nous le faisons actuellement, en informant les citoyens. En informant les citoyens, je vous le dis, Alpha Condé n'ira pas, n'ira nulle part. J'ai toujours dit que prendre, gagner les élections par les tricheries, par le coup, par, en fait, par la barbarie, vous comprenez, l'injustice et tout ça, vous allez gagner les élections, n'est-ce pas? Vous allez gagner, mais vous n'allez jamais construire le pays. Et c'est ce qui se passe actuellement. Jamais, 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 le mensonge ne peut construire une nation. Surtout que maintenant, je compte venir. Écoutez, il y a la crise internationale, c'est vrai, avec Covid, c'est vrai. Alors, les pays occidentaux aussi, écoutez, ont besoin de l'argent. N'est-ce pas? Ont besoin de l'argent. Maintenant, tous les pays ont besoin de l'argent. Alors, pour qu'un pays africain puisse avoir effectivement bénéficié de l'argent de ces pays-là, ces pays occidentaux, il faudrait en ce moment être costaud, quand je dis costaud, responsable. Hein? Avoir en fait également la gestion des ressources internes saines, totalement saines à 100% s'il faut, ce qu'on peut dire. Voilà, c'était Nabil Camara de Public 7. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.